Carrie, Miranda, Charlotte et Samantha sont de retour. Les quatre héroïnes de la série culte d'HBO se sont donné rendez-vous dans le podcast The Bradshaw Boys. D'habitude, celui-ci raconte le point de vue de trois garçons, habitants de Brooklyn, regardant la série pour la première fois. Mais ce 8 avril 2020, un épisode spécial a été dévoilé. L'épisode a en effet été enregistré pour Megan Daly, une anesthésiste de l'hôpital presbytérien de New York, fan de Sex and the City qui marche chaque jour pour aller travailler en écoutant le podcast. En ces temps difficiles pour tous les personnels soignants, c'est une belle surprise que le casting a fait en lui adressant personnellement des messages ainsi qu'à toutes les personnes qui se battent chaque jour pour soigner les malades touchés par le Covid-19. On peut donc entendre Sarah Jessica Parker et ses acolytes mais aussi les interprètes de Skipper, Anthony, Stanford ou Steve, qui ont tous pris le temps d'enregistrer un message. L'interprète de Carrie Bradshaw y dit notamment, « Ce que Meg fait, ce que font ses collègues, je ne pense pas que nous ayons jamais imaginé que nous demanderions cela à notre communauté médicale. Je ne sais pas assez comment les remercier. » Cynthia Nixon, elle, connaît personnellement l'hôpital où Megan travaille, « Je sais à quel point votre hôpital est incroyable, vous avez sauvé la vie de ma mère quand elle a eu une crise cardiaque en 2001. Merci pour ce que vous faites, j'ai entendu dire que votre mari est également médecin urgentiste. Vous êtes nos héros en ce moment. Portez-vous bien, et merci simplement du fond du cœur. » Kim Cattrall, l'interprète de Samantha Jones, termine par ces mots, « Merci pour tout ce que vous faites en première ligne de cette horrible pandémie. Sans vous, nous ne pourrions pas continuer, nous sommes avec vous. Nous vous aimons, nous ne pouvons pas le faire sans vous. » Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19.